L'actualité ici à Bamako, demain 1er octobre, les scolaires maliens vont retrouver le chemin des classes. À cette occasion, Madame le ministre de l'Éducation nationale, dans un message, demande aux acteurs de l'école de s'impliquer dans une dynamique partenariale pour soigner la qualité de l'enseignement au Mali. Nous vous proposons un extrait de ce message recueilli par Ba Traoré. L'année scolaire 2012-2013 revêt cette particularité. Au moment où nous effectuons la rentrée dans les régions du Sud, les élèves des régions du Nord se préparent à passer les épreuves des examens, diplômes d'études fondamentales, baccalauréat, certificat d'aptitude professionnelle, brevet de technicien. Je voudrais donc, à l'occasion de cette rentrée scolaire, d'une part, lancer un appel pressant et solennel à tous les parents, aux enseignants, aux partenaires sociaux et techniques, pour une reprise effective de l'école sur l'ensemble du territoire national. D'autre part, dédier cette année scolaire au développement de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Aux administrateurs scolaires, je demande de veiller sur la présence des élèves et des enseignants à l'école, à l'association des parents d'élèves, aux membres des comités de gestion scolaire, je voudrais dire que l'école prépare l'avenir de nos enfants. Aux syndicats d'enseignants, je voudrais leur dire que le gouvernement est sensible à toutes leurs préoccupations et fera tout son possible pour les prendre en charge. Pour conclure, c'est dans le cadre d'une véritable dynamique partenariale que notre école arrivera à produire des résultats probants. Sur ce, je voudrais souhaiter à tous une bonne année scolaire 2013-2014 et exprimer mes vœux de succès à nos candidats qui, demain, commenceront les examens.